Bonsoir à tous, nous sommes bien le jeudi 21 janvier 2016, il est 18h tout pile et vous êtes sur 01 TV comme chaque jeudi soir. C'est parti pour le débrief de l'actualité high-tech de la semaine, c'est 01 Live Hebdo, nous sommes ravis d'être là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous, nouveau 01 Live, c'est le numéro 85 justement. Et ce soir... Ça fait 85 01 Live depuis le début ? Je suis désolé de te l'apprendre, c'est un choc, mais oui, ça ne nous rajeunit pas cette histoire-là. Hein. Ouais. C'est bien, merci d'être avec nous, une fois de plus. Et comme d'habitude, vous pouvez interagir tout au long de cette demi-heure sur Twitter, hashtag 01live. Je me souviens au tout début, quand on avait commencé, tu n'avais pas cette voix un peu de Daffy Duck. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement. Peut-être que tu peux là nous raconter un peu ta vie privée rapidement. J'ai un petit problème de voix. Oui, mais ça ne s'entend presque pas. Cette saison, ça s'appelle le rhume. Oui, ça arrive. Alors au menu de ce 01live Hebdo, avec Amélie, nous allons revenir sur l'une des sorties cinématographiques de ce début d'année. Il s'agit de Jobs. Ah bah revenir, c'est un euphémisme. Parce Il n'est pas encore sorti. Donc on va plutôt anticiper. Et on va vous faire découvrir en avant-première ce film qui arrivera début février. On va parler aussi d'un problème qui va peut-être vous concerner. Netflix part en guerre contre les VPN. Alors on verra ça en détail dans un instant. Avec Raphaël Grably qui est la nouvelle recrue. De 01net.com, donc bizutage bien évidemment, il ne sait pas ce qui va lui attendre dans un instant, le pauvre. Et puis Delphine Sabatier sera là, directrice des rédactions de 01net, on va parler de site de rencontre avec elle, Jérôme, tout à l'heure. Oui, ah bon, et pourquoi? Ben je ne sais pas. Eh bien parce que... oui, on sait que non, on va parler des dangers des sites de rencontre. Voilà, exactement. Voilà. Et parce que parfois, on laisse des traces, etc. Et ça peut nous jouer des tours. Et puis on ira du côté du labo, bien sûr, pour terminer ce 01 Live Hebdo avec deux nouveautés. Premièrement, Samsung qui, avant la sortie tant attendue du Galaxy S7, vient d'annoncer les Galaxy A. Ah ? Et oui, ah bon ? Galaxy A, eh bien, ce sont les téléphones de moyenne gamme de Samsung. On va les retrouver dans un instant avec Stéphanie Molinier. Et puis Emeric, notre Mister Gaming, viendra nous présenter deux PC de gamer de ouf. Exactement. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Et bien sûr, pour débuter, Jérôme, la question 01net orange que le monde entier attend, comme chaque jeudi. Vous pouvez voter, vous allez sur www.01nettv.com pour répondre, s'il vous plaît, à cette question, parce que ça nous intéresse. S'il vous plaît. Hein, c'est pour alimenter notre débat de dans un instant. Et utilisez-vous... Voilà, en plus, cette question va vous intéresser. Ouais, utilisez-vous un... Alors, il faut prononcer VPN, hein, c'est pas VPN, c'est un VPN, qui veut dire, comme chacun sait, réseau privé virtuel en français. Raphaël va nous dire exactement de quoi il s'agit dans un instant. Virtual Privacy Network. Utilisez-vous un VPN pour regarder des vidéos en ligne? Oui, non. Une seule adresse, www.01nettv.com pour voter. Très bien. Et puis, bien sûr, vous pouvez à tout moment nous parler, vous nous poser vos questions, réagir en temps réel à ce qu'on raconte via Twitter, vous le savez, avec le hashtag 01live. Vous tapez votre petite question, pas trop longue, parce qu'autrement, ça ne rentre pas dans Twitter. Vous avez commencé et vous rajoutez le hashtag 01live. Et hop là, ça nous arrive directement ici même. Donc, allez-y, hashtag 01live. Jérôme, on va commencer par Netflix. Oui. Et on va accueillir donc Raphaël Grably. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël, la chose la plus importante, alors, la première quand tu vas passer sur 01 Live, si tu veux que ça se passe bien entre nous et toi, ou entre toi et nous, il faut parler très près du micro. Ça marche. Ça c'est la chose importante. Raphaël Grably, bienvenue. Merci. Voilà, nouveau venu à la rédaction de 01net.com, qu'on retrouvera régulièrement dorénavant un dans 01 Live. On que des barbus, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'une des... Ça c'est clair. Ah bah, je suis pas d'accord. Amélie. Non, c'est vrai. Il y a quelques exceptions. En plus, elle est délicieusement non barbue, en plus, Amélie. Et on va parler donc de Netflix. Oui. Netflix qui va faire la chasse au VPN. On va peut-être revenir... Alors Netflix, on connaît, hein, grand service de VOD qui cartonne avec 75 millions d'abonnés, je crois. Hein. Alors 75 millions d'abonnés, 45 millions aux USA.
Oui. 60% de leurs abonnés sont américains et ça leur pose un petit problème. Effectivement. Alors pourquoi les VPN posent un problème à Netflix ? Et si on rappelait quand même, pour ma maman qui regarde, qu'est-ce que c'est qu'un VPN ? Alors un VPN, c'est simplement un proxy, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de faire croire à Netflix que vous êtes ailleurs et de profiter du catalogue étranger. Donc si vous êtes en France, vous pouvez profiter du catalogue qui est le catalogue américain ou anglais ou celui que vous voulez. Donc en gros, on fait croire à Netflix qu'on n'est plus en France, mais qu'on est par exemple dans un autre pays. Voilà. Hein ? C'est ça. Exactement. On télécharge un petit bout de logiciel et puis souvent c'est un service payant, hein, VPN. Alors c'est des, oui, c'est des entreprises qui ont pignon sur rue, hein, donc c'est tout à fait légal et ils nous servent à aller sur les Netflix, le Netflix qu'on veut. Ok. Alors. Alors quoi, donc là, bon, et ça fait des années que tout le monde s'amuse à ce petit sport. Oui, Netflix. Parce qu'on sait que par exemple, si on est abonné à Netflix en France, en mettant un VPN en route pour avoir en fait le pour faire croire qu'on est aux États-Unis, on a accès à un tout autre catalogue en fait que celui français. Et Netflix aimait bien ça d'ailleurs, parce que lui, ça lui rapportait des abonnés, donc il n'avait pas vraiment de raison d'être contre ça. Le problème, c'est que depuis son annonce au CES, il a 190 pays. Et donc depuis, il a beaucoup d'ayants droit qui lui ont mis un petit coup de pression pour qu'il arrête de fermer les yeux sur l'utilisation des VPN. D'accord, c'est-à-dire qu'avec un VPN, on peut regarder des films, des séries que normalement, en fonction du pays dans lequel on réside, on ne devrait pas voir. Oui, alors juridiquement, c'est une zone grise, mais effectivement, c'est un peu ça, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, bon, il faut quand même les voir, ces documents, enfin, ces programmes, parce que la plupart du temps, quand tu te connectes sur le Netflix américain, tu n'as pas de sous-titres français, ou alors très peu. Donc il faut être bilingue. Oui, mais c'est aussi la limite des VPN. Hein. Il faut bien parler anglais parce qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a que des sous-titres anglais. Il y a même des pays, on a fait un papier sur une application qui s'appelle Smartflix qui permet de regrouper tous les catalogues Netflix. Si on va sur Netflix Brésil, ben, il faut accepter d'avoir des sous-titres en portugais. Il n'y a même pas des sous-titres en anglais. Donc déjà, il y a une barrière, on va dire, un petit peu au niveau du langage. Alors, est-ce que Netflix fait du bluff en annonçant comme ça qu'ils vont faire la chasse au VPN, Raphaël ? Il y a quand même des raisons de le croire, parce que déjà, il y a quelques mois, ils ont annoncé qu'ils ne pouvaient rien faire contre les VPN. Enfin, c'est-à-dire que c'était la course à chaque fois, c'est comme avec les hackers. Ouais. Les VPN, à chaque fois, trouvent une faille. Les VPN ont d'ailleurs répliqué en disant, de toute façon, nous, nos clients, on leur fait payer un service. Donc s'ils ont un problème pour accéder à Netflix, on va résoudre le problème et on fera en sorte qu'ils puissent accéder à tous les Netflix qu'ils veulent. Donc il y a une partie un peu bluff, mais c'est aussi le discours pour rassurer les ayants droit à Netflix. C'est très bien qu'il ne pourra pas lutter contre ça. Mais c'est un problème quand même, parce que quand on voyage, on aimerait bien, dans sa chambre d'hôtel, si on est abonné à Netflix dans un pays, pouvoir retrouver tous les films qu'on a l'habitude de regarder quand on est chez soi. Oui, par exemple, c'est pas possible aujourd'hui. Un abonné américain qui vient en France, par exemple, pour le travail ou pour les vacances, a accès donc au Netflix français. Oui, mais pas Netflix américain, alors qu'il est américain. Alors là, il est obligé d'installer un VPN et donc on ferait la chasse à ce client qui... Bon, qui, qui demande qu'à voir ses propres contenus. Ça va devenir un peu compliqué. Exactement, et d'ailleurs, un petit exemple sur une application VPN, pour trouver le film Intouchable, qui est un film français, ben, j'ai été sur Netflix d'Inde, le Netflix indien, pour retrouver Intouchable. Donc c'est pour vous dire, parfois c'est, on va dire que c'est logiquement, il y a une logique juridique, mais il n'y a pas vraiment de logique au niveau, l'utilisateur il comprend pas trop. J'ai un autre exemple, c'est House of Cards, qui est la série emblématique de Netflix, elle n'est pas accessible pour les abonnés Netflix français, parce que c'est Canal qui a les droits. Donc du coup, pour aller la voir, il faut effectivement contourner. Il y a une histoire de droit, on va dire de droit d'auteur, de droit de propriété intellectuelle, mais aussi de chronologie. C'est-à-dire que ce n'est pas la même loi partout dans le monde. Par exemple, Star Wars 7, il va se retrouver sur le Netflix canadien courant 2016. En France, si par hasard il devait se retrouver sur Netflix, ce ne serait pas avant dans 3 ans. Et oui. Donc autant vous dire que les Français qui veulent voir Star Wars 7, ils ne vont pas attendre 3 ans. Mais c'est-à-dire que si je suis abonné à Netflix, que j'installe un VPN et que je fais croire en fait à Netflix que je suis au Canada, je pourrais voir Star Wars Exactement. Avant tout le monde en fait. Exactement. Incroyable. Ouais. Alors dernière chose, si je suis abonné Netflix, j'utilise un VPN, mais sans le savoir parce que je suis dans une boîte qui utilise un VPN, là aussi je vais être... C'est la question justement, Netflix dit qu'il va bloquer tous les VPN, enfin il dit qu'éventuellement il pourra bloquer les VPN, simplement il y a des gens qui utilisent des VPN pas du tout pour aller sur Netflix, mais juste pour protéger leur vie privée, et si j'ai un VPN que j'utilise pour protéger ma vie privée et que je suis sur Netflix et qu'il me bloque, j'aurai rien demandé et j'aurai mon compte bloqué. Ouais. On a une question d'Antoine, on y a partiellement répondu, mais c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que tout simplement Netflix ne donne pas accès à tous les catalogues partout dans le monde ? Et c'est son rêve en fait, hein. C'est son rêve parce que comme je disais, 60%
de ses abonnés sont aux États-Unis. En fait, il perd beaucoup d'argent en investissant à l'étranger, parce que le problème, c'est que dans les pays étrangers, ça ne prend pas tellement. Et ça ne prend pas parce que le catalogue n'est pas bon, parce qu'il y a des lois qui restreignent ça. Et donc, la réponse à la question, c'est tout simplement la loi. Netflix ne peut pas donner accès. Et il le revendique d'ailleurs. Il dit, nous, ce qu'on veut faire à terme, c'est de faire un catalogue mondial. Malheureusement, pour le moment, juridiquement, c'est juste impossible. Et ça fait perdre beaucoup d'argent à Netflix. Bah oui, mais une fois de plus, on voit bien quand même, c'est les questions de droits d'auteur, les ayants droit qui bloquent tout ça. Et puis Netflix qui, pendant ce temps-là, continue à produire des séries maison de plus en plus coûteuses, de plus en plus de qualité, pour justement essayer de se démarquer de tous ces problèmes. Parce que quand une série, à part House of Cards, parce que je crois qu'ils ont fait une erreur une fois, mais ils ne vont pas la reproduire. C'est-à-dire que maintenant, le contenu Netflix est disponible au niveau mondial. Des chaînes locales, en fait, ne peuvent plus les acheter. Je crois ils ont commencé aussi à négocier au niveau mondial quand même des titres. Ils ont réussi, par exemple, pour le spin-off de Breaking Bad. Ils ont réussi en fait à avoir les droits mondiaux. Mais c'est quand même très très réduit. Bon. Mais effectivement, c'est leur rêve. House of Cards, c'était vraiment un cas particulier parce qu'en fait, il arrivait sur Canal Plus avant l'arrivée de Netflix. Donc voilà, c'était Netflix négocié. Netflix voulait le commercialiser. Exactement. Malgré tout, Donc c'était. Merci beaucoup Raphaël. De rien. Eh bien écoutez, pour cette première, je pense que Raphaël a été plutôt parfait, pas mal. Hein, impeccable. Félicitations. Tu gagnes le droit de revenir en deuxième semaine, Raphaël. On sera ravis de te recevoir jeudi prochain. Avec plaisir. Voilà, et puis le bizutage, bien sûr, c'est de faire en jogging 18 tours de l'immeuble de Next Radio TV. Je l'ai fait ce matin déjà. François fait ça 4 fois par jour. Malheureusement, on n'avait pas de caméra, donc il va falloir que tu nous le montres. Comme il fait zéro dehors, en plus c'est sympa. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. On enchaîne maintenant avec. On va rester dans les œuvres. Dans le cinéma. Et dans le cinéma, dans les séries, dans le cinéma, avec Amélie qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Amélie a beaucoup de chance parce qu'elle a vu le film Steve Jobs avant tout le monde, enfin en tout cas avant les Français, puisqu'il sortira en France quand ? Le 3 février. Le 3 février. Alors qu'il est sorti il y a un moment aux États-Unis hein, d'ailleurs. Oui, et ça n'a pas été un gros succès. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc probablement que cette sortie retardée est un peu due à cet accueil un peu froid aux États-Unis, mais c'est vrai que le film... Peut-être, et un peu un film d'auteur qui n'était peut-être pas destiné à un grand public. Alors qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce qu'il vaut ce film ? Alors c'est très intéressant, mais il faut être un peu prévenu de ce qu'il y a dedans pour ne pas être déçu en fait. Parce que ce n'est pas du tout un biopic hollywoodien comme on pourrait s'y attendre. On va peut-être avoir des images si JD veut bien nous les envoyer. Voilà. Non mais on continue. Hein, c'est vrai, on n'est pas obligé. Il y a un froid là tout d'un coup. Alors, oui, donc on va pas avoir droit à la naissance, l'enfance, l'adolescence, les études et la mort de Steve Jobs. En fait, c'est que trois moments clés en fait dans sa vie. Ouais. Et c'est trois passages qui se déroulent juste avant une keynote. En fait, c'est trois moments clés. Hein, trois moments clés, c'est les 40 minutes qui précèdent la présentation d'un produit. Donc il y a quoi ? Il y a le alors Macintosh. On a le Macintosh en 84, on a... Non pas du tout, on a l'iPhone. Bim, Jérôme, ça t'apprendra. Tu crois qu'il n'y a que l'iPhone dans la vie ? Ben non. On a le Next Cube en 88 et on a enfin l'iMac en 98. Voilà. Ah oui d'accord, c'est vraiment... C'est donc la période la plus récente, c'est 98, c'est ça ? C'est ça, voilà. D'accord. Et donc on ne saura rien de sa maladie, de sa mort ensuite. Ouais. Donc alors, voilà, c'est pas du tout... Alors en fait, c'est plus... Je trouve que pour les geeks, ça peut aussi être un tout petit peu décevant parce qu'on n'a pas vraiment de détails, on n'apprendra rien au niveau informatique en le voyant. Mais est-ce qu'on apprend... sur la personnalité ? Voilà, c'est ça l'intérêt en fait. C'est une espèce de huis clos, un peu théâtral, un peu étouffant aussi, et qui permet de rentrer un peu dans la psychologie de Steve Jobs. Donc c'était il était réputé, et d'ailleurs la biographie dont est tirée en partie le film le disait, c'était quelqu'un de tyrannique qui se plaisait à humilier ses collaborateurs, qui était assez ingrat aussi. Et donc on voit tout cet aspect négatif de sa personnalité, mais on finit par finalement avoir de la sympathie pour lui, je dirais, et par le trouver humain, alors que, et c'est Danny Boyle, le réalisateur, qui disait, à la sortie du film aux États-Unis, c'est un monstre magnifique, Steve Jobs. Et je crois que c'est une bonne façon de résumer sa psychologie. Alors c'est Monsieur Fassbender il est pas très interprète semblant, le rôle de Jobs. Alors, comment est-il dans alors, le film c'est, ah bon, c'est un comment excellent... est-il dans l'intimité, Amélie Ça je sais pas. Mais c'est un excellent acteur. Moi j'ai quand même été gênée par son peu de ressemblance physique avec Steve Jobs. Il ressemble pas du tout. Alors on a beau rentrer dans le film,
il y a quand même une petite distance et moi j'ai jamais été totalement convaincue quand même qu'il était Steve Jobs. Alors qu'il y a eu d'autres films, même des séries télé avec des personnages qui incarnaient Jobs qui étaient beaucoup plus ressemblants. Donc. Malgré ça, il a toutes ses chances d'avoir un Oscar. Il est nommé aux Oscars et donc il aura peut-être un Oscar grâce à ce rôle. Hein. Mais petite parenthèse, moi je vous recommande, enfin le top du top, un téléfilm américain qui s'appelait Pirates de la Silicon Valley en version française, et qui est génial, qui raconte la vie de Jobs et de Bill Gates, où je me souviens plus de l'acteur, mais il est très très ressemblant. Tu avais vu ça en VHS, non? Voilà. Je crois, à l'époque. Ah non, mais c'est super, il faut pas l'oublier ce film, il est top. Alors bon. Justement, tiens, un mot concernant ce film Steve Jobs, sachez que sur zeronet.com, on vous offre des invitations pour une projection privée du film. Il faut participer au jeu concours les gagner. Évidemment. Oui, c'est pas comme ça, top badaboum, il faut quand même s'inscrire, il y a un tirage au sort, il y a plusieurs dizaines de places à remporter, donc n'hésitez pas, vous allez sur zeronet.com, vous cliquez sur le petit bandeau invitation Steve Jobs, vous rentrez vos coordonnées et puis voilà, le tirage au sort vous sera peut-être favorable. Merci beaucoup Amélie. En tout cas, moi ça me donne envie d'aller le voir ce film. Ah bah c'est intéressant de toute façon, on apprend bien quand sûr, même des choses. On a forcément de toute façon envie d'aller le voir. Hein. Parfait, merci beaucoup Amélie. Et on revient dans un instant Jérôme. Tiens, dites-nous avant qu'on retrouve Delphine Sabatier, qu'en pensez-vous de ce film? Est-ce que ça vous donne envie d'aller au cinéma voir ce deuxième biopic de Steve Jobs? Parce qu'on l'a pas dit, mais il y en a eu déjà un qui a été aussi... on peut dire un gros succès. Hein, Non, mais alors vraiment, si on compare la qualité des deux films, celui qui sort là le 3 février est quand même largement au-dessus. Très bien. Bon, vous dites quand même quelque chose de positif concernant le film, Amélie. Merci beaucoup, Amélie. Et tout de suite, donc, la direction de la rédaction de Zéronet avec Delphine Sabatier qui nous rejoint tout de suite. Avec toujours notre question orange, on parle de Netflix et de VPN, hein, Jérôme. N'hésitez pas à voter sur notre question orange. Et puis, hashtag Zéro en live pour réagir en direct. Delphine Sabatier est avec nous. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Delphine qui va nous parler de sites de rencontres ce soir, parce que les sites de rencontres sur Internet ou sur mobile, c'est une réalité. Beaucoup de Français les fréquentent, les jeunes notamment. Nous sommes rencontrés d'ailleurs, sur un site de rencontre. Sur un site de rencontre, absolument. Oui. Sur geeklove.com. La chaîne techno.com. Voilà, qui a fermé depuis, il y a beaucoup plus d'utilisateurs de sites de rencontre que de VPN, d'après le sondage que je vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est possible. C'est vrai. C'est plus la vie. C'est vrai que d'abord, les Français, l'amour, c'est quand même une spécialité chez nous. Le French kiss. Et les jeunes, tout particulièrement. Et d'ailleurs, je vois dans l'équipe de 01net TV, j'ai fait mon petit sondage en 2 secondes, ils sont tous sur des sites de rencontre. Non, c'est pas vrai. Des noms, on veut des noms. Mais quoi, je balance Tinder pas comme ça. Moi. Sur les applis aussi. Voilà, un peu tout ça. Ouais. Tout à fait. Bon, alors, donc très bien, c'est quand même 1 sur 2, jeune de moins de 35 ans sur 2 qui est inscrit à un site de rencontre. Ou qui est passé sur un site de rencontre. C'est quand même un gros chiffre. C'est un vrai phénomène, c'est une réalité. Mais Delphine, attention. Mais attention, il y a beaucoup, beaucoup de dangers, comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Eh bien, ça attire les malfrats. Près de la moitié des utilisateurs, quand même, ont fait de très mauvaises rencontres sur ces sites. Et des rencontres qui peuvent coûter assez cher, hein, parce qu'on parle vraiment de face à face avec des escrocs, des spammeurs, des maîtres chanteurs. On n'est pas dans la petite arnaque. Et concrètement, qu'est-ce qu'on risque alors, Delphine? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, si vous faites partie de ces utilisateurs qui ont décidé de publier une photo ou une vidéo où vous mettez en scène un peu de manière coquine, voilà. Alors, ça peut être pour plein de raisons, hein. Soit parce que vous voulez jouer à deux, soit pour séduire une personne, soit parce qu'on vous a sollicité, on vous l'a demandé de manière pressante et que ça promet une très belle rencontre. Eh bien, la plupart d'entre eux, quand même, l'ont vivement... Un tiers d'entre eux ont subi des menaces à la suite de ces diffusions, de ces publications. En fait, ces photos ont servi à les faire chanter. Quelle horreur. Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis, pour tous ceux qui ont été piégés, dans 1 cas sur 10, finalement, ces photos et ces vidéos se sont retrouvées effectivement diffusées sans leur consentement. Waouh, mais c'est du chantage donc principalement pour de l'argent là. Principalement de l'argent, pas seulement, parce que ce qu'on appelle le revenge porn aussi, c'est la vengeance qui peut être simplement de l'humiliation. Hein. On a décidé de se venger de son ex-petite amie ou de quelqu'un qui ne voudrait pas payer. C'est vrai que l'argent est un moteur principal quand même dans ce type d'arnaque. D'après l'étude, c'est une étude qui a été publiée par Norton, mais qui a été commandée à un prestataire indépendant. En fait, les escroqueries sur les sites sont assez malines pour vous faire dépenser de l'argent. 1/3 des internautes ont fini par payer quelque chose à partir d'un site de rencontre gratuit.
Ouais. Et comment peut-on se retrouver à payer sans l'avoir voulu? C'est terrible. Alors il y a ce système de faux profils, donc énormément de faux profils sur ces sites de rencontres, embarquent, il y a plusieurs techniques, hein. Certains embarquent des liens qui vous invitent à cliquer, alors là vous vous retrouvez sur des sites pornographiques, des sites de webcam payants bien évidemment, d'autres emploient la technique plus classique du phishing pour récupérer vos identifiants bancaires, vous avez aussi les arnaques à la loterie, vous participez à des jeux et puis ça vous coûte une fortune, ou carrément on vous fait cliquer et vous installez sans le savoir un logiciel malveillant. Tout ça c'est vraiment de l'arnaque, il y a aussi des choses plus subtiles où vous allez être face à un faux profil qui va vous demander de l'aide financière qui paraît tout à fait sincère, or ça ne l'est absolument pas. Et il y a beaucoup de faux profils comme ça? Alors on n'a pas ce chiffre, ce qu'on sait en revanche, c'est que quand même un utilisateur sur quatre a été victime d'un faux profil. C'est un chiffre assez impressionnant. Ah oui. Ils sont des imposteurs, donc ils sont cachés comme ça derrière des fausses identités, en général des identités qui font un peu rêver, oui. Une magnifique jeune fille et tout ça. Comment on fait pour les repérer? C'est un moustachu derrière en fait. C'est ça. C'est ça le problème. C'est assez simple en fait de les repérer. Attention Jérôme. C'est des gens qui se cachent, donc ça veut dire qu'ils refusent toute relation physique, donc ils ne veulent pas de rendez-vous. Ils refusent aussi généralement le téléphone. Parce que derrière la jolie fille, en fait, c'est un homme, un garçon. Oui, bonjour Sabrina. Une organisation avec eux. Ça pose un problème quand même. Voilà, donc vérifiez quand même bien les profils que vous fréquentez, ça c'est la première chose. Ne diffusez rien parce que tout peut être enregistré et se retourner contre vous sur le web. Et puis je voulais terminer sur une note peut-être un peu plus légère. Il y a ces faux profils, mais il y a aussi tous les gens qui mentent. 40% des utilisateurs mentent. Et qui sont les plus gros menteurs? Mais en amour, on ment, c'est normal. Les femmes ou les hommes? Mais ils mentent, c'est-à-dire quoi? Les hommes, des fausses photos, c'est quoi les mensonges? Alors, principalement, le mensonge, c'est le poids, messieurs. Attendez. Les hommes. Non, mais vous croyez qu'on se pèse tous les jours? Les plus jeunes sont les plus menteurs. C'est vrai? Ah ouais? Voilà. Mademoiselle, vous êtes prévenue, faites attention. Bon. Bah, écoutez, voilà. Hein. Ça va, Sabrina? Oui, ça va bien. Et toi? Mais il y a un peu de ménage qui est fait ou pas? Non, les sites ne peuvent rien faire, les plateformes peuvent rien faire. Hyper compliqué. Après, on peut faire de la dénonciation. Voilà, quand on se retrouve avec le porte-monnaie vidé, on va on va voir la police, quoi. On va faire des déclarations. Ouais. Effectivement, il y a des enquêtes qui sont menées, mais aller dénicher tous les faux profils. Très compliqué. Merci Delphine. Merci beaucoup Delphine. Très intéressant. Le Zoom Actu de Delphine, directrice de rédaction de zeronet.com. N'hésitez pas à réagir. Hashtag 01 live. Et tout de suite, direction le labo 01net. Mais d'abord, la question range. François. Oui, la question 01net Orange. Utilisez-vous un VPN pour regarder des vidéos en ligne, les amis? Eh bien, regardez, hein, majoritairement, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout branché VPN. Mais ça ne me surprend pas vraiment, ce résultat. À 77%, non, parce que c'est quand même un peu un truc de geek. Oui, bien sûr. C'est vrai. Et puis on peut très bien se contenter aujourd'hui du catalogue de Netflix français qui est plutôt pas mal. Oui, hein. Et puis il y a, comme on le disait tout à l'heure avec Raphaël, il y a la barrière de la langue. Hein. On n'est pas tous bilingues. Ouais. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on se connecte sur le Netflix américain, bah, voilà, même si on a les sous-titres anglais, c'est pas toujours très évident. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. Je fais juste une parenthèse, le VPN, ça sert aussi pour regarder, pour télécharger illégalement. Hein. Bien et sûr. Pour regarder illégalement. Évidemment, oui, pour contrer entre autres Adopi. Et oui. Bien sûr. N'hésitez pas, vous pouvez continuer donc ce petit vote sur zeronettv.com. Stéphanie Molinier nous a rejoint. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Le labo 01net avec aussi Aymeric Simon qu'on va retrouver dans un instant. Salut Aymeric. Bonsoir. Aymeric est venu avec deux monstres informatiques, deux balèzes avec des cartes graphiques en veux-tu en voilà, des trucs qui pèsent 300 kilos mais qui permettent d'avoir 480 images par seconde pour tous les jeux. Si seulement. Si seulement. Ce sont les Predators. Mais auparavant, Stéphanie est venue avec quelque chose de beaucoup plus léger et sympathique. Voilà, ce sont les nouveaux Samsung qui ont été d'ailleurs annoncés ce matin, on les a d'ores et déjà sur le plateau de 01 Live. Alors on a la version Galaxy A5. Oui. Donc il y a deux modèles, le A3, le A5. Le A5 est la version la plus grande et la mieux équipée. Ah, et voilà. À quelle caméra doit-on les montrer, Florian? Assez magnifique. Ouais. En fait, on a un smartphone qui est entièrement en verre, à l'avant, à l'arrière. Ça rappelle quelque chose, le Galaxy S6. Et d'ailleurs, il y a un air de famille indéniable. C'est vrai qu'on dirait avec vraiment le Galaxy S6. Hein. C'est un petit peu plus rectangulaire. Mais vraiment, on a un très joli niveau de finition. Alors, ce n'est pas un smartphone haut de gamme, c'est un milieu de gamme.
Et donc l'avantage, c'est qu'on a un très beau design à un prix qui est nettement plus abordable. Celui-ci est doré, oui. Il est doré, celui-là. Oui, oui, tout à fait. Trois couleurs, doré, blanc, noir. D'accord. Et alors le prix ? Alors le prix pour la version A5, qui est le mieux équipé, 409. Ah ouais. Le plus petit, pas mal. 309. Sachant que ce sont des smartphones qu'on va trouver chez tous les opérateurs. Donc il y aura des offres subventionnées. Donc c'est un produit qui est quand même plus accessible que le S6. Oui. Ce qui est d'intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie rupture au niveau design chez Samsung, même sur des téléphones, milieu de gamme. Avant, tout c'était du plastique. Là, on voit que c'est vachement mieux fini. Voilà. C'est beaucoup plus Et alors, joli, sur ce genre d'appareil, certes 409 euros, Jérôme, mais on a quand même pour la photo un capteur 13 mégapixels avec stabilisation optique, quand même. On a un lecteur d'empreintes pour verrouiller son téléphone. Ah oui, on a quand même des fonctionnalités haut de gamme. Que reste-t-il au grand ? Bah finalement, pas grand chose. La puissance. Alors, mais par exemple, voilà, c'est moins puissant. Mais c'est on n'a pas par exemple le même écran que le Galaxy S6 qui est un écran là, quad HD. Là, on a un très bel écran, un écran super AMOLED, mais full HD. J'imagine. Full HD. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Cela dit, pendant que tu fais ta petite présentation, je suis en train de regarder sur Google et on se rend compte qu'on trouve aujourd'hui des Galaxy S6 à un petit peu plus de 400 euros en fait. Parce que finalement. C'est un téléphone qui arrive en fin de vie, donc voilà, ça va être compliqué pour Samsung. C'est 400 euros, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, j'ai essayé de trouver un vendeur un peu fiable, etc. 400 euros, c'est pas toujours évident. Oui, on va être à 500 euros. 500-600, oui. Mais c'est vrai que pour 100 euros de plus, on se retrouve avec la Rolls des téléphones chez Samsung. Oui. Voilà, ça vaut peut-être le coup de un choix à faire. C'est de l'Android 5.1. Oui. Avec une mise à jour comme pour le S6 vers Marshmallow qui naît avec une date qui reste un peu plus tard. Voilà. On verra bien. Il existe en trois tailles. Non, en deux tailles. En deux tailles. Le A3 et le A5. Donc là, c'est un écran sur le A5 de 5,2 pouces. Ça, c'est le A5. Voilà, c'est le A5, c'est le plus grand. Le A3 fait 4,7 pouces, qui, je crois, est la taille de l'iPhone 6. De l'iPhone 6. Voilà. Exactement. Le A7, qui est le format phablette 5,5 pouces, ne sortira pas en France. D'accord. Samsung a décidé que le format phablette serait réservé au modèle haut de gamme. Parfait. Nous, aujourd'hui, j'en connais un, surtout, France, c'est le S6 Edge Plus. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres modèles par la suite ? Suspense, on verra au Mobile World Congress. Alors, est-ce que vous avez réussi à glaner quelques infos concernant le S7 ? Puisque vous étiez à la présentation Samsung ce matin. Non, on n'a pas eu d'infos, rien du tout. Rien. Bon, ça commence à se préciser sur les dates. On sait que Samsung va faire sa grande présentation juste avant le salon, mais non, il lâche rien. Voilà, on ne sait pas s'il y aura un, deux ou trois S7 présentés. Voilà, ça sera suivi sur zeronet.com et zeronet TV. Bien sûr, on sera à Barcelone pour vivre tout cela. Merci beaucoup Stéphanie. Mais de rien. Merci Stéphanie. C'est Galaxy A. Et donc, nous allons nous tourner vers notre monsieur gaming. Qui, comme disait François, est arrivé avec un seul. On en voit parce que l'autre. Je pense qu'on a des images de l'autre. Non, bah déjà, il faut venir avec un diable pour le sud. Voilà, pour le soulever. C'est ça. Par la porte. Donc on commence quoi par le petit. Celui entre que vous guillemets. Voulez. Celui alors, que vous voulez. Commençons par le portable. Ouais. Alors c'est donc c'est les Predator donc de chez Acer. Donc on les avait vus à l'IFA. C'est la ligne gaming de Acer. C'est ça. Voilà. Hein. C'est la ligne gaming d'Acer. Acer avait fait un retour un peu petit moré il y a deux ans avec les Venitro et puis cette année, fin d'année dernière à IFA, donc à Berlin, Acer présentait les Predator. Donc ce sont des machines qui sont véritablement haut de gamme, destinées aux joueurs chevronnés, ou en tout cas plus qu'amateurs. Fortunés aussi, j'imagine. Voilà, qui ont pas mal d'euros à dépenser effectivement dans une machine de jeu. Et donc les Predator sous forme ordinateur portable se déclinent en deux tailles, 15 pouces et 17 pouces. D'accord. Donc là j'ai un 15 pouces avec alors, moi. Donc, et à quel prix ? Alors on commence à 1500 euros pour les 15 pouces. Ça va jusqu'à 2300 euros à peu près. Pour les 17 pouces, c'est à peu près pareil. On est à peu près dans les mêmes eaux. Sachant que, bien entendu, il n'y a pas une configuration, mais des configurations, puisque comme Asus, MSI, etc., Acer multiplie les références pour contenter tous ses vendeurs. Voilà. 1500 euros, on commence déjà à avoir quelque chose qui tient la route en termes de gaming. Oui, 1500 euros, plutôt dans les 2000. 1500 euros, on a quelque chose de bien. Ouais.
1500 € à quelque chose de bien. Après, sur le catalogue Acer, je dirais qu'on commence à avoir quelque chose de vraiment bien, mais comme chez les autres, hein, d'ailleurs, une fois qu'on commence à approcher les 1007-1008. Et les multiples configurations, ça veut dire que l'acheteur peut vraiment faire son truc au millimètre, ou bien c'est en fonction de la boutique où il l'achète? Alors c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines boutiques, dans une logique d'exclusivité, vont préférer telle ou telle configuration. En avant, telle ou telle. Voilà. Et simplement, on n'aura pas la possibilité de personnaliser, simplement la déclinaison. Les multiples déclinaisons font que on va pouvoir trouver certains PC moins chers chez les uns, un peu plus chers chez les autres, et ça va se jouer sur du SSD, sur une quantité de mémoire, sur une référence de carte graphique. Donc ça va quand même, certains détails vont vraiment conditionner fortement le prix, d'autres un peu moins. Et alors À l'arrivée, c'est plutôt pas mal. On est pas déçu du voyage. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour un premier essai, on va dire que Acer se défend plutôt bien. On pourra lui reprocher d'être peut-être un peu massif quand même par rapport à certains autres appareils proposés par certains constructeurs type Asus notamment. C'est plutôt pas mal. Il est assez brut de fonderie quand même. Il a des lignes qui sont assez dures en fait pour un PC portable de jeu. Mais ça reste quand même une belle machine. Il y a de quoi s'amuser quand même pendant pas mal d'heures. Il y a tout un tas de techno propriétaires à l'intérieur, notamment une qui permet de pouvoir chasser la poussière pour éviter d'encrasser l'intérieur de la bête. Wow. Bon, voilà, c'est des technologies qu'on va retrouver un peu chez Asus aussi. Les qui font le ménage. Oui, alors en fait non, c'est que les ventilateurs tournent très fort. C'est ça, voilà, pour chasser généralement les particules de poussière. Et donc, Acer est crédible maintenant dans le domaine du gaming? Acer, par rapport au Alienware, par rapport... Il y a encore du travail, on va pas se mentir. Acer revient tout juste, alors que les autres sont quand même là depuis un petit moment, des vieux routards du gaming. Je pense qu'il y a du potentiel. Il faut simplement retravailler quelques éléments, peut-être affiner peut-être un peu quelques lignes, etc. Mais bon, on n'a pas rien sans rien. C'est-à-dire que grosso modo, on peut pas avoir quelque chose de très puissant dans 2 mm d'épaisseur, c'est absolument pas possible. Alors justement, rapidement, Aymeric, la version desktop. Voilà, PC de bureau, donc c'est le G6, Predator G6 lui aussi se décline en moult catégories, 1500-2500 € à peu près. Alors là, on est... Mignon, frais. C'est voilà, ça, voilà, ça passe partout. Hein. Voilà, ça se cache aisément dans le salon. Oui. Voilà. Avec un drap dessus, oui. Oui, tout à fait, voilà. Alors il y a pas mal de petits trucs rigolos dessus, notamment il y a la possibilité de pouvoir racker un disque dur dans un petit panier à chaud directement en façade. Ah oui, voilà. Il y a un porte-casque aussi en façade, qui est assez rigolo. Ton petit panier, ton disque dur. C'est ça, hop, voilà. Bon, le seul on problème. On peut fixer le casque comme ça sur. C'est ça, ouais. Il y a une espèce de gadget sympa. Voilà, alors c'est rigolo. Tout n'est pas rose quand même. On sent qu'à toutes les couleurs d'ailleurs. Voilà, et c'est tout à propos, puisqu'en fait, le principal reproche que j'aurais à faire à Acer, c'est que la machine n'est pas très proprement montée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit quand même des machines assemblées par LDLC ou matériel.net qui sont vraiment assemblées. Le bazar, les câbles. Voilà, c'est un peu le bazar. Il y a des gros nœuds de câbles, tout ça. Je pense que là, il y a une bonne marge de progression de la part d'Acer. On sent que peut-être qu'en usine, il n'y a pas autant le temps que dans les ateliers des assembleurs spécialisés. Tiens, une petite question de Mickaël pour terminer ce 01 Live sur Twitter avec le hashtag 01 Live. Est-ce qu'un portable est-il vraiment dédié au gaming? Si on le compare par exemple à cette tour aujourd'hui, on peut avoir vraiment un ordinateur portable tout aussi puissant qu'une tour? Non. D'accord. Pas nécessairement. Il y a des différences de puissance, notamment graphique. Voilà. Les principales différences vont être au niveau de la carte graphique, qui aujourd'hui est de l'ordre de 20 à 30% moins puissante, même pour les hauts de gamme. D'accord. Qu'un équivalent sur PC. Évidemment, j'imagine que le portable à configuration équivalente coûte plus cher qu'une tour. Oui, c'est généralement le cas puisqu'il y a l'écran. Oui. Faut quand même pas oublier que dans un PC portable, notamment de gaming, on paye pas que les composants, on paye aussi la recherche et le développement des châssis qui sont généralement faits spécialement pour ces machines-là. Et puis il y a la batterie, enfin. Oui, voilà, mais c'est vraiment le design et les fonctionnalités propres au gaming. Voilà pour ces Predator donc que vous pourrez retrouver sur 01net.com et 01net TV avec des vidéos ad hoc. C'est ça, voilà, ça arrive là dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Aymeric Siméon. Merci, pas de soucis. Aymeric Siméon de la rédaction de 01net et merci à Stéphanie. On va terminer là, Jérôme. Oui, un petit coup d'œil à nouveau sur le sondage de cette semaine. La question 01 Live Orange. Utilisez-vous un VPN pour regarder des vidéos en ligne? Eh bien voici la tendance. C'est toujours majoritairement non à 75%.
Oui, 25%. Vous pouvez continuer à voter www.01nettv.com. Voilà, tout au long de la semaine, sur 01net.com, vous pouvez aussi tenter votre chance pour remporter des invitations pour la projection privée de Jobs, on en parlait tout à l'heure. Très bonne soirée, merci de nous suivre chaque jour sur 01net TV pour toute l'actualité high-tech. Et on se retrouve très vite, bien sûr. Oui, merci à Jean-David Duhart, Florian Beaufreton, Jérôme Giliberto, Pierre Thiolin, Thomas Remilleré. Oh là là, ils étaient je sais pas combien là aujourd'hui. Hein. Ah non, mais là aujourd'hui, c'est, tu vois, c'est l'équipe de Star Wars en fait. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, c'est la classe. Merci de nous avoir suivis. Et bonne soirée. Salut à tous.